Ok. Alors, nous passons à la suite 8. Je vais pas faire d'invasion tout de suite, mais il va être sûrement important que j'entraîne un petit peu mes troupes. Il va être important. Il va être important également. Ah putain, je suis blessé en plus. Bon, il va falloir qu'on se soigne rapidement. C'est quoi son opinion? Qu'est-ce qu'il veut faire? On peut utiliser le stratagème embuscade. Ok, cool. Cool, cool, cool. Je pense que peut-être je devrais continuer, enfin refaire un petit soin. Ouais, il y a encore des gens qui ont besoin. Ça, je pense que c'est pas un mauvais investissement. Ah, Gongsunzan a pris Jinyang. Le royaume de Dingyuan est éliminé. Samuel qui a rien compris. Bravo Samuel. On va rester en petite politique interne le temps de se renforcer un peu. Ouais, on va essayer de faire de l'entraînement un petit peu, ça me coûte 10. De support, le marchand malhonnête. Ah, je peux faire un pillage pendant 60 secondes. Quand je capture une base, je peux voler les ressources. Insulte. Quoi? Viens le battre. Ah, je peux insulter pour imposer mon avis pendant les conseils de guerre. Ah, c'est bon, je suis plus blessé. Ah, Fan Nuo Kang. Normalement, ça, c'est le chrony chinois. Et il veut rejoindre le royaume. Bravo! Oui, oh, ça. Et ben, il va passer en violet. C'est que dès que possible j'achète des items aussi pour me renforcer. Je veux vraiment commencer quand même par le cheval, mais je sais pas combien j'ai en pognon. Ouais, on va attendre du coup. Le chrony chinois. Faut que je le dise. Faut que je le dise sur le Discord. C'est important. Alors, entraînement, peut-être pas. Est-ce que
faut, c'est qu'on augmente aussi, notre source de revenus, donc du commerce. Il faut du commerce. Du commerce et de l'entraînement, faut que j'arrive à mixer un petit peu entre les deux. Pour le moment, j'ai pas eu trop l'occasion d'interagir avec mes officiers, mais à l'occasion, faudra le faire. Peut-être épouser la petite Wang Yi si je trouve pas une meilleure femme. Et il faut que je recrute aussi. Il faut que je recrute d'autres officiers. Mais bon, du pognon déjà. Base de défense, base de trésor. Ok. Mais... un petit peu d'entraînement. Entraînement niveau 5. Juin. Ok. Voyons voir ce qu'on a à recruter éventuellement sur mon territoire. Il y a toujours Dong Zuan Feng. Dong Zuan Feng. Ça rentrait pas le G, mais c'est censé être avec un G. Tu vas manger, bonne nuit. Tu vas manger dans ton lit. Bonne nuit, si tu veux. Juillet. Hop. Le contrat avec le bureaucrate malhonnête est terminé. Jiaxu a augmenté le commerce. Vas-y, continue Jiaxu, tu me fais plaisir. Tu me fais bander, petit cochon. Encore un petit peu de politique interne, s'il vous plaît. Est-ce que t'as, Dongmin ? Ah, une alliance avec Mengbuo. Tu m'intéresses, Dongmin. Très bien, j'accepte ta proposition. Je déclare ce conseil de guerre fermé. Rompez. Jiaxu, tu iras négocier avec Mengo. Ah bah voilà, on est en alliance. Bien joué, Jiaxu. Mon contrat. Mais il me faut de l'argent. Il faut que j'économise un petit peu quand même. Sauf s'il y a des gens intéressants à engager, je vais regarder. Machao, Madai, Pangde. Ce serait pas forcément très RP que j'ai Machao et Madai, étant donné que j'ai tué leur père. Pangde, ce serait un peu plus jouable. Sanji, Karak. Oh, il y a Yoshi. Ah, il y a Frangipane, il y a Kaolimine aussi. Couscous. Marcel, Vooma. Ouais. Ouais, non, je vais recruter personne pour le moment. J'ai pas besoin de ces chiens. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de plus d'argent. Plus d'argent et... plus d'argent. Avec de l'argent, on achète du vin, de la nourriture, des femmes.
そなたほどの者が己を安売りするな。我がそなたをふさわしい地位につけよう。よし、わかった。わあ、on se fait trahir de partout. Zhangji nous a trahis. Chien galeux. Je vais te remplacer par quelqu'un, tant pis. S'il le faut, je te remplacerai. Je te remplacerai. Je vais te remplacer par... Je sais pas par qui je vais te remplacer. Je sais pas. J'hésite. Ah! そこに不満があるんじゃろ。ほれ、こちらには金も酒もたんまりあるぞ。ほれ、誘っていただきありがとうございます。私の力喜んで捧げましょう。Ne t'inquiète pas, Diao-chan, je suis très vertueux. Tu vas bouffer ma grosse vertu. Ah, ce cigomar, quoi. Oh, ce Sanji qui veut rejoindre donc Zuo. あんたのために一肌脱いでやるよ。C'est beau. On a eu fan Nuo Ken aussi. Ah, attends, je vais aller en ville, je vais changer les deux là que j'ai eu. Bah, faudrait que j'essaie d'épouser Diao-chan en fait. Du coup. Donc Zuo qui épouse Diao-chan. Là, on est dans le vrai rêve de Dongzuo, là, c'est... c'est là, le rêve absolu. Avec une Diao-chan qui serait sincèrement amoureuse de Dongzuo. Ah, Diao-chan. Très bien. Ah, Sanji, tu passes en violet! Aux couleurs du royaume! Tes bottes aussi. Y'a pas de raison. Ton bandeau, je te le laisse en jaune si ça t'amuse. La femme de Nuo Kang y est déjà en violet. Et toi aussi, tu vas passer en violet. Ma salope. Ah, faudrait que j'essaye de faire. Faudrait que j'essaie que Dongzuo, au lieu d'avoir des frères de serment, il ait des sœurs de serment. Je sais pas, je crois qu'on peut. Comme ça, ça fera genre, il a son harem. Si perspicace et si drôle, si goma. Bravo, Flex. Un petit peu d'entraînement pour se préparer contre les turbans en jaune. Parce que là, bientôt, on va se les faire, ces enfoirés. Je pense qu'il va être temps. Le conseil de guerre commence! J'ai un mal à la gorge à force de parler comme ça. Je pense qu'il est temps de cibler les turbans en jaune. Au moins Chang'an. Au moins Chang'an déjà. Ok, personne n'a rien à dire. Vous êtes tous des soumis. Tous. Tous autant que vous êtes. M'aider d'une petite... Ça dépend, ils sont comment? 2350... Waouh. Eh, on est quand même... Quoi, il est pas content, lui?
Pourquoi t'es pas content, espèce de petit con? Comment je peux faire pour qu'il soit content? C'est peut-être parce que je suis evil. Et peut-être que du coup, je peux rien y faire. Je change de personnage quand même de temps en temps. Faudrait que je change de personnage de temps en temps. En essayant quand même de pas se faire défoncer la gueule. Là par exemple, ils sont combien ? Douze. Allez, un nombre aléatoire entre 1 et 12. Douze, onze, dix. Bon bah... Yao-chan ! Allez, Yao-chan. Si tu veux bouffer la grosse vertu du seigneur Dongzhuo, tu vas me montrer tes talents au combat. Nunchaku. Diao-chan et Nunchaku. Moi je reste au château. Je me branle les couilles. Ok. Ah oui, une freezer base. Ça. Allez. Ok, ok. Allez, c'est parti contre les turbans jaunes. Ah, oh, struggle for existence, c'est bon ça. Et une très bonne map en plus. J'allais le dire, Sigomar. Là on a le combo, bonne map, bonne musique. Costume, mauvais gameplay. Ouais. Dommage qu'ils ont pas remis un gameplay avec les masses à l'ancienne. Oh les bâtards, ils m'ont fait une base de défense là. Un petit peu d'aide avec une unité d'élite s'il vous plaît. Soldats, à l'attaque! Je défendrai la vertu du seigneur Dongzhuo.
Donc je commence à prendre cher avec ces merdes là. Putain de baliste quoi. J'aurais pas utilisé le Bass Fire maintenant, mais si ça continue, je vais être obligé. Alors je me replie et je reviens. Putain! Il me fait bombarder le cul! Ah, ce Jaxu, j'adore. Ah oui, de la vie. Oh, je bande. Ah non, je suis Diao-chan, je mouille. Oh non, Wang Yun. Oh, y'a mon père. Y'a mon père en face. La guénèse de ça. Allez, papa, viens prendre des coups de fouet. Pourquoi tu sers les turbans jaunes, papa? T'as rien compris à la vie. Seul le seigneur Dongzhou peut restaurer l'empire Han. Oh putain l'enfoiré, c'est qui ça? Li Yue. Enchanté. Allez, une petite base de ravitaillement pour nous, s'il vous plaît. Au boulot, les péons. Aïe! Oh le bâtard! Et là, va tout de suite me servir. Petit enculé de merde! Mon Yul chez les turbans jaunes se faisant fouetter par sa fille du camp d'en face. Ouais, c'est beau. Attends, il y a quelqu'un qui arrive là. Youpi! Youpi! C'est un grand homme ça, le Youpi! Faudrait que je fasse son mezu secondaire à Diao-chan pour me protéger parce qu'il est vachement long. Et ça peut faire un espèce de contre du coup vu qu'il est trop long. Merde, ouais, mais après voilà, faut avoir le réflexe ici, c'est pas facile. Ce jeu il fait aussi toutes. Ah ouais? Mais moi j'entends pas toutes. J'entendrai jamais. Et je crois bien qu'il y a que toi qui l'entends parce que personne n'a jamais fait la remarque. Ah, Dong Cheng. L'homme qui a tenté d'assassiner Cao Cao. Espèce de chien! Ça
va bien se passer, ça va bien se passer. Je vais placer une embuscade ici. Je suis sûr qu'un officier tombera dedans comme un crétin. Ah, espérons en tout cas. Shtake! Yufulu, grand homme. Quoi, c'est vrai ça? C'est vrai ou tu dis des conneries, Sigoma? Yufuluo, le père de Liu Bao. Ah c'est vrai, ok. Bravo. Bravo, bravo. Ah, il s'enfuit ce chien. Il s'enfuit ce chien galeux. Un petit peu coincé, il y aura peut-être pas besoin de l'embuscade du coup. Je vais essayer de faire de cette base une base de trésor. Pour l'argent. Le pèse, le flouze. On en a besoin pour acheter l'ivre rouge. Ah oui, d'accord. En fait, je savais que Kaiwenji avait été sauvé d'une façon ou d'une autre, parce que c'est mentionné plein de fois, mais c'est jamais précisé vraiment comment. Donc en fait, pour les gens de la Rodif, là, Sigomer vient de dire Liu Biao, Liu Bao, pas Liu Biao, ne pas confondre, hein. Liu Bao est l'homme qui a retenu Kaiwenji otage et l'a engrossé deux fois jusqu'à ce que Cao Cao paye une rançon. Ah ah. Kaiwenji s'est fait violer en boucle.
pour ça que c'est pas mentionné. Dès qu'il y a des trucs un peu glauques, il les évite un peu. CF Zhang Fei avec sa femme dans Dynasty Warrior 9. Où il tourne ça en vraie romance. Même si ça a peut-être fini comme ça avec le syndrome de Stockholm, mais... à la base... voilà quoi. Allez, la base de trésor pour le pognon. Merci beaucoup. Ouais, c'était sa femme, ouais. Bizarrement, ça sent le mariage de force un peu. Ouais, ça finit par être la femme de Zhang Fei, mais bon, écoute, Xiaoxi, à la base, disons que voilà. À la base, il l'a violée, elle avait quoi? Elle avait 12 ans. C'est un truc comme ça. Jouer et Gou aussi qui sont un peu trop classe en vrai par rapport à ce qu'ils devraient être. Ah. Wax Young est sur la verge. Oh, Kai Yong. Justement, en parlant de Kai Wenji. Voilà son père.
Ah putain. C'est bon, ça passe. Quand on parle des merguez, on en voit l'odeur. Je t'écoute pas, Benjamin, c'est mieux pour la santé mentale. Bravo, bravo, bravo. Oh, Waxiong est blessé. Attention, Waxiong. On pose, hein. Non, bah dégage. Meurs. Meurs, espèce de chien. Voilà, on a un territoire intéressant. Les turbans jaunes ont perdu quand même un peu en puissance. Mais ils restent puissants. Hein. Le mec qui est inquiétant, c'est quand même le Nanman. Le Nanman qui est en mode conquérant dans cette partie. Oh, je peux aller acheter mon cheval. C'est le moment. C'est le moment. Faites passer le mot. Voilà, ça c'est fait. Et puis j'ai même normalement de quoi acheter un petit item. Je regarde les autres. Il y a des trucs intéressants quand même. Il y a des trucs, ma foi, intéressants. Je vais augmenter ma défense pour le moment parce que je trouve qu'elle est parfois un peu médiocre. Voilà un homme de confiance. Il y a Zougeliang aussi. Hein. Ça, je sais pas. Je sais pas si je vais recruter pour le moment parce qu'on est quand même pas si mal que ça. Enfin, surtout que je puisse devenir le mari de la petite Diao-chan. C'est comme ça que tu dragues donc Zou? Hé, ferme ta gueule, écoute ce que j'ai à te dire. Elle, la grosse soumise. Oui, je suis d'accord avec vous de tout mon cœur. Putain, Lubu. Lubu travaille pour Gong Sunzan, du coup. Oh merde, on est attaqué. On a normalement un ou deux tours. Donc, je vais juste continuer à parler un peu avec Diao-chan.
Quoique, faudrait d'abord que je réaugmente mes troupes, peut-être. En priorité. Il me reste 2 tours. Un village de mineurs semble avoir des gemmes de très haute qualité. Que faire? Ah, financer leurs opérations pour peut-être avoir plus d'argent plus tard. Ça devrait aller. J'espère. Ça a intérêt. Oh la salope! Oh la pute! Elle s'est barrée! Oh putain! Bon bah c'est l'ordre de la défense. Attends, c'est Yuan Shu qui nous attaque, le petit chien galeux. Ce chien galeux de Yuan Shu. Après j'ai pas mal de gens qui sont blessés aussi, faut faire attention. Il est comme ça, donc Zo. Bon bah. Qu'il en soit ainsi. Allez, la défense. C'est qu'en plus, on a l'avantage face à ces gros crétins. On peut pas voir le total des... de chaque troupe, en fait. Enfin, de le total de notre armée et de celle de l'ennemi. Ça rigole plus là. Liens qui unissent certaines bases à certaines... ou non, ça me trigger toujours autant. Ah ouais. Mais l'autre fois, quand il y avait eu un stream, il y a des fois, ça m'avait un peu perturbé aussi sur certains trucs. Il y a des moments je pensais que je pouvais prendre le camp principal et en fait non parce que les liens étaient pas comme je le pensais. Jiling, la bataille! C'est ta musique en plus! C'est un grand homme, Jiling. Tu
Les deux bases nord-ouest. Ah ouais. C'est vrai que elles devraient être linkées, mais elles le sont pas, ouais. C'est con ça. C'est un peu con, ouais. Oh putain, ils sont 4. Ça te donne envie de chier, donc tu vas pissoir. Oui, bien sûr. La Warazi ne chie jamais, après tout. Je les ai eu tous les quatre, hein, c'est bon. Je crois. Attends, y en a un qui est là, là. Zangzun. Spirit of Sanada. Comment ça t'as du mal à comprendre où t'emmène le jeu? Bah, tu suis l'histoire des Sanada en fait, donc tu... Dans Spirit of Sanada tu commences avec le père de Yukimura. Et puis voilà, tu suis juste la trame des Sanada après. Je peux sauter par-dessus là. Non. C'est pas grave. Hop là. Revoilà Jiling. Après si, t'es quand même sur un style Samurai Warrior 4, hein, y a pas de différence majeure.
Après, Empires, il y avait un système de base dans le Spirit of Sanada, je me souviens pas. Enfin, après, ça c'est pas important, ce qui est important c'est que... C'est que tu suis la trame des Sanada, donc t'es quand même sur un mode histoire, un gros mode histoire. Bien long, bien détaillé. Et... Ouais, si, c'est sympa. Non, il n'y a pas de système de base. Ouais, alors je vois pas pourquoi tu dis que ça, enfin, ça ressemble à du Empires. Alors. Je n'avais pas le souvenir non plus, mais dans le doute, tu sais, c'est pas le genre de détail que je retiens. Peut-être se faire une contre-attaque contre Yuan Shu quand même, parce que là, ce petit enfoiré s'est foutu de notre gueule. Ah oui, c'est vrai, il y a un cycle jour-nuit des fois, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens de ce truc. Et des fois... Des fois, faut que tu termines aussi avant que l'âme tombe ou des trucs comme ça. Enfin, ça te sert de timer en même temps, quoi. Oui, t'as juste la discussion avec les gens, mais ouais, pas de rapport avec Empires, par contre. Dans Dynasty Warriors 7 et 8, t'avais ça. C'est vrai que dans Samurai Warriors 4 original, t'avais pas... Ils avaient pas mis ce système encore, mais dans Empires, t'as même pas ça en fait. Juste, tu peux me balader en ville, comme t'as pu le voir tout à l'heure, hein, juste pour aller acheter des objets, des trucs comme ça, mais... Là, tu te balades, c'est pour... C'est pour du scénario, pour mettre des dialogues en place, et des trucs comme ça. Entre autres. Des fois, t'as des petits trucs sympas aussi un peu plus tard dans le jeu. Mais... Putain de Taras. Oh, une scène sur la victoire. Ce lit roux, quoi. Ce vieux rire de merde. Ah.
Ah, bonsoir, Jack Léon. Il est un peu jeune, ce Lirou, c'est vrai. C'est vrai que c'est le skin que je lui avais fait à l'époque. J'avais dû me baser sur le skin d'un roman qui était sorti à l'époque, mais il n'y avait pas encore le 13. C'est vrai que maintenant, je suis plus habitué à sa tronche. Ou alors, je me suis peut-être basé sur Dynasty Tactics à l'époque, je sais plus. Pour faire certains portraits. Mais ouais, en tout cas, c'est vrai que maintenant, j'aurais plus tendance à le faire avec une tronche plus vieux et tout. Abattez-le!